L'importance d'un événement comme un festival, c'est de discuter comme ça avec les gens, notre public, voir leur réaction sur les précédents albums, mais aussi un peu tester certaines idées qu'on a pour qu'est-ce qui va réagir. Donc, mes lectures? Oui, oui. Les lectures qui nous ont influencé? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Ok. Commencer par la bande dessinée franco-belge, même si on est canadien. Donc, la bande dessinée, tout dernièrement on fait, tout on aime, on adore. Mais on est aussi beaucoup influencé par les séries télé-américaines. Donc, on aime beaucoup les séries télé-américaines, où il y a plein de super grandes séries avec des suspens. Donc, c'est un petit peu ce qui nous influence en fait dans plein d'albums. Des suspens qui accrochent l'acteur. Le but, c'est de. Albums sur le site dernièrement, ça faisait pas longtemps qu'il y avait un et on était à venir télécharger.
travail. C'est gratuit, déjà, en moyenne digitale, ils ne veulent pas payer pour un livre, et on est compréhensible, ils ne veulent pas payer pour un livre qui ne possède pas, juste accessible via Internet. Maintenant, ils veulent avoir non seulement le contenu de la lecture, mais aussi le contenu, le livre, le papier, ils veulent le lire. Mais il va falloir s'adapter, il va falloir trouver une façon de faire. Dans le cas des nombrés, ça ne serait pas possible. Si on devait créer une série et qu'on voulait la faire dans lecture interactive, on devrait faire en sorte que d'avoir un ajout, que ce soit, ça ne puisse qu'être lu sur iPad. Si c'est fait pour le papier et que c'est transposé sur iPad, ça va de reste en iPad. Donc il faut donner un mais c'est ça, arriver avec quelque chose qui soit, qui reste de mon esprit, qui soit quand même des cases, mais pour un rythme de lecture, mais légèrement faire, bon, pas annuler, parce que sinon, il y a aussi le risque que ça donne à faire une espèce d'animation, du début, une espèce de. Que les trucs soient animés, mais à peine, c'est pas intéressant. Donc, faire en sorte que ça reste de mon esprit, mais avec des papiers plus valables. C'est le super-héros et le
dans